it's a kind of something which is developing and which is uniting people. You get someone from Asia, you get someone from Europe, you get someone from Africa, you get someone from Australia, America. The Kenyege Festival is an amazing festival, among amazing festivals in the world. One of the best festivals I've been to. You see the source of the Nile here. Many people come to see our heritage. In that festival, you get to experience who you want to be and who you really are. It's a physical thing. Like, you have no choice but to let go. It's the one place where you actually come and explore like all these different cultures all mushed together. You experience all this thing in like different stages, and that does not happen anywhere else. C'est le bordel total, tout le monde court dans tous les sens. À ce moment-là, on est juste en gestion de crise. Nous demander de payer pour faire caca, un peu compliqué. What is this Nyege Nyege that you are allowing to take place? The Nyege Nyege Festival is facing threats of being banned by government. A total of 76 cases. Sometimes you don't know who you're dealing with. Même s'il fallait appeler l'armée, on allait terminer ce truc. Elle fait partie de ce qu'on appelle les enfants volés. Pendant la colonisation, les enfants métis étaient rapatriés en Belgique. Donc j'ai toujours eu une connexion très très proche de ma grand-mère, qui du coup était une femme de couleur, mais qui n'est jamais retournée en Afrique. Et donc je savais qu'à un moment ou un autre, j'essaierais de m'installer ici. Ça faisait 3 ans qu'on n'avait plus de festival. On a été quand même en lockdown pendant 1 an et demi, assez serré. Donc on pouvait pas sortir après 19h. Il y avait pas mal de police dans les rues, etc. Donc il y avait vraiment une envie de se retrouver, de sortir, de retrouver notre événement. On aimait beaucoup notre site au départ, le Nile Discovery Beach, mais on a été invité par l'ethnie du Busoga et le roi pour se relocaliser dans un endroit un petit peu sacré. Évidemment, il y a les cascades qui sont vraiment phénoménales. Donc on s'est dit que c'est le meilleur moment pour tourner une première page. Le site était très loin de la ville. Et donc, il fallait assurer un logement sur place. On a aussi eu envie de faire un peu un camping de luxe. Nous-mêmes, on a un côté un petit peu plus roots, un peu DIY, mais en même temps, voilà, on aime bien la diversité. 2 à 3 mois avant le début du festival, et on se dit, mais enfin, comment est-ce qu'on va faire? On n'a pas l'expérience vraiment là-dedans. Et juste à ce moment-là, il y a le téléphone qui sonne, et c'est la boîte de prod avec qui on travaille sur l'événement, qui nous dit, écoute, il y a un gars ici, Arthur, c'est un jeune Ougandais, il doit avoir plus ou moins la trentaine d'années. Il avait fait d'autres festivals, il avait fait un peu des camps d'ONG, il avait de l'expérience dans tout ce qui est logement éphémère. Et donc, on a rencontré Arthur, et le courant est immédiatement passé. Avant même qu'on ait pu poser toutes les questions, il avait réponse à tout. Et je pense que ça nous a vraiment mis à l'aise. Et du coup, on en parlait à tout le monde, dans toutes les interviews, à tous les gens qu'on rencontrait. On a dit, on était prêt à se marier avec Arthur.
qu'on affiche sur le site internet, qu'on va avoir des petits chalets. Super mignon, même bien meublé, qu'on allait faire à 800 euros pour le week-end. On allait aussi avoir des petites genre de tentes en bois, toutes mignonnes, bien espacées, qui allaient aussi avoir un petit peu leur petit mobilier, leurs petites lampes, etc. Ça allait être un village à l'intérieur du festival, qui allait être sécurisé, avec des toilettes, des douches évidemment, des cours de yoga le matin, des petits concerts privés pour les invités dans les chalets. Et on est tous un peu, ouais, des punks. Hit Factory, franchement, il y a tellement de super tunes qui sortent ici que j'entends là partout. Je vais pas nommer, mais c'est vrai, à Berlin, des fois, tu vois, dans mon studio, par exemple, j'entends des fois, je suis là, bon, allez, c'est quoi que t'as fini avec ta guitare? Là, tu me fais chier. Mais ici, c'est genre, waouh, putain, mais c'est trop bien, c'est quand qu'on va danser dessus? Just got him back from a residency in Berlin. On était au transit en Turquie. Je pense que j'étais à la villa, au studio. On était en pleine résidence, donc on court un peu à gauche, à droite. And Derek sends me a text and he sends me the screenshot of the Twitter thing. Et là, on sort de l'avion et Christine elle ressent un message. C'était terrible parce que j'ai pris l'avion de Berlin pour Istanbul et là j'allume mon téléphone à Istanbul, boum, la nouvelle. On a dit vous passez à la télé. One of the biggest music events in Uganda, the Nyege Nyege Festival, is facing threats of being banned by government on the basis that it negatively affects children's morals. So MPs say the electronic music festival promotes sexual immorality. What is the benefit that we are getting out of Nyege Nyege? What is this Nyege Nyege that you are allowing to take place? And the advert is international. And I have seen, right honorable speaker, if you go to the sites, you will see men, both young men, holding hands. Young women together. What are they promoting? C'est complètement immoral, c'est n'importe quoi. C'est pour les gays, c'est pour les homosexuels, c'est pour la nudité, les orgies, etc., etc. J'ai lu zoophile. Oui, zoophilie. La zoophilie, en fait, c'est bien qu'il y avait la zoophilie. Au départ, parce que cet argument zoophile, il nous a un petit peu sauvés, entre guillemets. Parce que si on dit, bon, il y a des orgies, il y a de l'homosexualité, etc., on pourrait imaginer qu'en effet, dans certains coins du festival, il y a des situations un peu plus corsées. Mais évidemment, la zoophilie, là, ça relève un peu de la farce. Et après, franchement, moi, quand j'ai appris la nouvelle, je m'en prie ça au sérieux. Les gens m'envoyaient ça.
Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça. Non, c'est annulé, j'ai fait lol, chill. Demain, tu vas voir, ce sera. J'ai pas pris ça au sérieux, moi. J'ai fait oh, ça recommence une année de plus, tu vois. He was very calm the entire time. He was actually laughing the entire time. J'avais déjà vécu ça en 2019, donc je savais que un peu les engrenages, les rouages de comment les choses fonctionnent ici en Ouganda. Pour moi, il y avait aucun souci que ce festival rentre un petit peu dans une stratégie de changer un petit peu la manière dont l'Ouganda est perçu et malheureusement l'Afrique en général, et d'amener un autre élément de l'histoire, de ce qui se passe ici. Et maintenant, en fait, on faisait vraiment marche arrière. Et de nouveau, l'Ouganda était accusé d'homophobie, était un petit peu vu comme ces conservateurs qui sortent du village pour dire « Ah non, les mini-jupes, c'est pas bien, un festival, c'est pas bien, il faut tous rentrer à l'église, etc. » Et l'Ouganda, c'est pas ça. Mais il faut évidemment réagir vite. Donc là, on nous appelle, on part au Parlement, au gouvernement, on voit un petit peu qui est de notre côté et comment est-ce qu'on peut retourner l'affaire. The next day, he sends me a text back and he's like, oh, we're back. I was like, oh, okay, cool. Man, I had no doubt that was gonna come back. And one of East Africa's most popular music festivals has been cleared to go ahead. The Nyege Nyege Festival, which attracts thousands of foreign tourists, will now take place next week, but quote, under strict guidelines. Les guidelines, ben, en gros, c'était ne venez pas nu au festival. Pas de nudité. Ensuite, pas de vulgarité. Ça, c'était nouveau. Ça, c'est marrant parce qu'ils ont, pas du tout fait allusion à l'homosexualité. Et ça, c'était une grande victoire, en fait, pour nous. Par contre, maintenant, on ne pouvait pas dire merde au festival. Je faisais des allers-retours, j'allais souvent à ce moment-là. Le premier élément, c'est que je vois pas assez de tentes en bois, les tentes en bois là construites. Je me dis bon, je vois qu'il y a des toilettes, des structures de toilettes et des structures de douche. Arthur m'explique, ah tout ça, ça va être installé dans les derniers jours. Je panique un petit peu, j'ai besoin maintenant de voir des choses concrètes. Et du coup, je lui mets un petit peu la pression. Deux jours plus tard, Arthur m'envoie encore 5 cabanes en bois qui sont faites, les choses commencent à être montées, il me remet en confiance, et là, j'ai un peu un sentiment de culpabilité. Self-contained. Yeah, a lot of construction going on. It's the Nyege Nyege camping area. Guys are building. Now, of course, you wake up, you have a view of the falls. Il y a eu des pluies torrentielles avant le festival, donc en arrivant, les routes sont complètement détruites. Il y a des camions par terre. C'est un petit peu la panique. Pour être tout à fait honnête, il manquait tout à ce moment-là. Enfin, il manquait tout, non. On avait de 1, acheté nous-mêmes, on avait fait importer 1000 tentes. Et ensuite, on avait bloqué les logements de luxe. On avait mis sold out sur à la fois les chalets et puis un petit peu plus tard, les fameuses tentes en bois. Je ne sais pas si tu te rappelles Usual Suspects, le moment où Kaiser Soze s'en va et puis le flic, là, il regarde le mur et il commence à tout connecter. Et c'est à ce moment-là, j'ai eu ce moment où, en fait, je me dis, mais attends, c'est quoi les tentes en bois? Ça n'existe pas, les tentes en bois. Et le petit casque d'Arthur et son allure, etc. Mais tout ça, en fait, ça correspond à une arnaque. Whatever I knew about him was a lie. She fell in love with a swindler. Arthur began staying at my place. I would forward the money straight to him. Fell right into his trap. I think I sent him like 15 million. And I was almost leeched by people. Sleeping with a scammer. A Nyege Nyege nightmare. J'appelle un pote à Jinja. Je dis, j'ai besoin de gens qui viennent pour terminer ces chalets, ces trucs. Envoie-moi 50 personnes. On a acheté 50 marteaux
Et l'idée, c'était que, voilà, même s'il fallait appeler l'armée, on allait terminer ce truc. On attend toujours les chalets. Là, au moins, il y a les petites tentes en bois. Non, ça va partir dans tous les sens, ce truc. Est-ce que vous avez pensé, à ce moment-là, à tout annuler ? Non. Non. On peut pas annuler. Je veux dire, là, tout le monde arrive. Et puis, faut pas oublier qu'il y a peut-être 1500 personnes qui sont sur le festival, en camping. 700 qui ont loué des tentes. Il y en a 500 qui ont amené leurs propres tentes. Pour nous, ça reste encore gérable. On n'arrête pas. Je veux dire, à ce moment-là, tu mords sur ta chic et t'y vas, quoi. Et tu prends les coups. Le jeudi, l'ouverture du festival, je ne pouvais pas dépasser le camping parce que j'avais trop peur du regard des autres. En fait, j'avais trop peur que les gens me gueulent dessus, qu'on pointe du doigt. Enfin bon, c'était vraiment la honte en fait. So Yegenyege is a place to me, it's a place where I'm myself, because even when I dress like this and I'm in the city, everyone is looking at me like a madman, you know, but it's my style. But when I dress like this and I'm here, I feel like myself. Amazing, fun. Kingsbed at 6 a.m. said that people partying.
Like people can just keep going, 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 going. Today we do it again. Oh my God, I can't believe I said that on camera. This is Congolese culture. You know how, you know what we do? Yeah, we get some. I'm happy to see my cognac depuis 12 ans. I'm sure. Partout, country report. Good, good. Come and check it out. This is Le Bon from Congo Loco. Ultima Alpha. Team Alpha. Come on. Ring the bell, ring the bell, ring the bell, ring the bell, Mze. Sorry, you guys gonna ring me out. Yes, sir. Me, I was hidden somewhere. No one know my talent. Now, I'm so happy because now, if you see, like today, I came with some artists. The locals from the village, they are going to play tomorrow. I think it's pretty messy, and I think they probably like overdid it a little bit. Like some of the bathrooms are not done and all that stuff. Particularly like we're in the artist camp right now, there should be water all the time, showers, just the basics. That's DJ Fabs right there, that's hey. DJ Fabs right there. Nyege Nyege 2022, I'm loving it, loving it. Tell loving them, it. Tell them. Loving it. God damn. Arthur, à ce moment-là, il est sur le site, il fait un petit peu semblant d'essayer de gérer des choses. Après, on a compris qu'en fait, il a payé personne. Donc les travailleurs qu'on envoyait, ils les payaient pas. À ce moment-là, dans la panique, tu prends l'argent que t'as et tu essayes de résoudre le problème avec de l'argent. Donc ça veut dire commander des matelas, évidemment. Ça veut dire appeler des toilettes qui sont des toilettes, on va dire, temporaires qu'on peut louer. When you go to a venue for the first day, like it's new. There are different things. There, are, you know, so it cannot be like as before. Immediately, people get familiar with the place, even the organizers. I guess it will settle. Oh, for sure. Intense, c'est hyper intense. Et nous demander de payer pour faire caca, c'est un peu compliqué. Non mais ça, et même pipi je pense, à ce moment-là. Des agressions par-ci par-là des femmes, dans la nuit, machin, on n'est pas trop courant. Voilà. Pas safe non plus. Se sentir en sécurité juste, entre les gens qui partagent le festival, ceux qui font partie des organisateurs, etc. Parce que c'est une expérience tellement belle que ce serait dommage de la gâcher avec ce genre de des manquements, je sais pas. Quand tu montes un peu
des événements publics de cette envergure, tu crains la mort et le viol. C'est vraiment les deux choses où tu te dis, tu pries pour que ça n'arrive pas. Je me rappelle à un moment, je ne pouvais pas laisser une femme rentrer au camping toute seule. Il y avait ces zones qui n'étaient pas illuminées, etc. Le vendredi, il y a une amie à nous qui était une amie à des artistes, que du coup, naturellement, on a dit, mais viens dans le logement artiste. Et il y a quelqu'un qui est rentré dans sa tente et qui a, pour être vraiment factuel, fait un viol digital, comme on appelle ça. J'ai dû regarder ce que ça voulait dire. Il n'y a pas de musique à ce moment-là, il n'y a pas les chutes d'eau, il n'y a pas les cascades, il n'y a pas l'économie, les boulots, il n'y a rien de positif qui peut annuler ou qui peut réparer ce sentiment de ne pas avoir réussi à protéger simplement les femmes qui viennent au festival. Brand new dance from my brother. Everybody, Sumum Nazareti. Okay, oh, Agaba, Agaba. Okay, let's go dance. Everybody, Sumum Nazareti, Messen Selector. Back again, yeah. Shakis, everybody, dance. Agaba, Agaba, Agaba. We want to inform the country that the festival ended successfully. Out of the thousands who attended the festival, we managed to register a total of 76 cases only. 5 cases of simple robbery. There were 51 cases of theft, obtaining money by false pretense, 2 cases. There was one incident of attempted rape. Ce que ça relève pas, c'est le sentiment d'insécurité que les gens avaient. Nous, notre rôle, c'est justement de faire en sorte qu'il y ait du chaos, mais dans un environnement qui est quand même sécurisé, contrôlé et confortable à un certain niveau. Et donc l'idée, c'est pas de lancer les gens dans une quête entre la vie et la mort sous fond de musique et de fêtes. C'est pas ça l'objectif. Station, on est trop loin. Là, j'entends pas assez. C'était très bizarre parce qu'il a été mis en prison le samedi, il est ressorti le dimanche et quand moi j'étais dans le bureau avec le boss de toute la police régionale, il disait mais comment ça se fait qu'Arthur est sorti ? Mon impression c'est qu'Arthur s'est mis volontairement en prison pour échapper au lynchage au festival. Ensuite il est sorti. Les derniers contacts qu'on a avec lui c'était dans notre groupe WhatsApp où il nous disait « si je veux rembourser les gens, je dois récupérer de l'argent, du camping, etc. etc. » Alors que bon, on avait déjà donné tellement d'argent, donc c'était de la foutaise. Et ensuite, on n'a plus de nouvelles d'Arthur. Cette année, je pense qu'on a dû dépenser pas loin de 1,5 million d'euros, ce qui est quand même énorme pour un petit collectif DIY qui commence avec zéro, et qui a vu tout cet argent brassé, avec évidemment des emprunts. Maintenant, les sponsors vont encore nous payer ce qu'ils nous doivent, donc on va pouvoir rembourser les emprunts. L'année prochaine, ça va être l'édition de Golden Edition. Ça va être l'édition parfaite. Cette année, on a payé pour avoir un peu un doctorat en management de crise de festival. But you know what? If you're gonna do it, go hard or go home. That's the happiness for the country.
We are changing the world. All the chaos and all the madness that comes with the festival, all of it makes for the festival. It's what makes the festival what it is. On s'est promis qu'on ne va jamais recommettre les mêmes erreurs. Peut-être on va en faire d'autres qu'on n'a pas encore expérimentées. Mais en tout cas, toutes les erreurs de cette année, on ne va pas les refaire.